皆さん、はい、こんにちは。今日は柴犬バレンタインですということで、お父ちゃんとラブラブランチです。Donc c'est Saint-Valentin. C'est Saint-Valentin aujourd'hui. Alors, est-ce que tu connais l'origine de Saint-Valentin? C'est la Saint-Valentin. Bah évidemment, c'est le jour de, d'un type qui s'appelle Valentin. Ouais. C'est un prêtre chrétien ouais. qui mariait des couples chrétiens. Okay. À l'époque, à Rome, c'était encore interdit. Donc il s'est fait exécuter pour ça. Et c'était le 14 février 270. Okay. Voilà. L'origine de Saint-Valentin, en fait, évidemment, c'est comme toutes les fêtes chrétiennes, c'était à l'origine les fêtes païennes. C'était pas du tout romantique au départ. À Rome, c'était une fête où les hommes frappaient le ventre des femmes avec, avec des lanières en cuir. Ils frappaient le ventre des femmes ouais. pour les rendre fertiles. Sympa, hein? Et ça marchait? Je sais pas. Et après, ça finissait dans les orgies, quoi. Enfin, d'accord, dans les bacchanales. Exactement, exactement. C'est le mot que je cherchais. Et après, au Moyen-Âge, alors là, c'est pire. En fait, c'est une fête de carnaval, tu vois. Ouais. Et les hommes déguisés en ours attrapaient les femmes et les violaient. Violaient les femmes. Super Saint-Valentin, c'est pas romantique. Donc c'est l'origine de fête de Saint-Valentin. Et c'est pour ça qu'on va manger. On va célébrer ça. Oui, mais après, évidemment, au 15e siècle, évidemment, c'est devenu un peu plus civilisé et un peu plus romantique. Donc les hommes commençaient à écrire, ont commencé à écrire des poèmes, ouais. des mots doux, des dessins d'amour et envoyaient des cartes. Okay. Et cette tradition a traversé la Manche et c'est devenu anglais. Et ensuite, en 19e siècle, eh ben, les Américains l'ont adopté. Et les Américains, c'est un nouveau pays, donc ils recherchent ce genre de fêtes, des nouvelles fêtes. C'est évidemment les Américains qui ont commercialisé cette fête-là. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les Américains ont réimporté la tradition de Saint-Valentin en France. Parce que les soldats américains utiliser cette fête pour draguer les Françaises après la libération de la France. Et ensuite, voilà, depuis les années 50, c'est devenu la fête des amoureux. Et surtout, c'est les hommes qui déclarent l'affection aux femmes. En France, c'est comme ça. Ah, ということで、au France では、まあ今言ったように男性たちが女性にプレゼントを贈るんです。今日はなんと、あれ、c'était la première fois que tu m'as offert un cadeau par surprise, non? 花束はあったけどね、プレゼントの、王道は花束、香水とアクセサリーとか身につけるものなんだそうです。日本のチョコレートはね、最近は出てきましたけれども、あの昔からの風習ではございません。私よく利用してるホクストンというところのホテルなんですけど、はい、そのほぼ向かいにあるこちらのレストランを予約してみました。ちょっとね、今回はいつもなんかビストロっぽいものばっかりなので空いてる、なんかお店の中も清潔感があって、チョコレートはマスクリーム・チェッチュー・キャンダ・カム・デ・セザン・エラ・プロスメティ・デ・ça attaque. Ça, c'est l'une des entrées fortes de la maison. C'est le taco stemani, donc c'est une crêpe yémenite entre la crêpe et le pain. Super, okay. Merci, beaucoup. Merci, appétissant, merci beaucoup. C'est appétissant. C'est super. Hein, joli, c'est joli. Hein. Non, non. Ah ouais. J'attaque. Itadakimasu. Oji. Oji, ne? Oji, oji. Taco, c'est le truc. Crêpe, no yona. Nan da ke, nan ita nan da da ke. Ah, kouchi da. Oji, so. C'est quoi cette espèce de perle? C'est ça, c'est le timkit. Ce sont des perles de couscous. La vaisselle est jolie. Le menu est arrivé quand j'ai découvert. J'ai découvert l'Israël Lyori. C'était un peu de la nourriture. 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 Sentier という界隈は
布問屋さんで有名な界隈です。そうそう、で布問屋さんたちね、おそらく 95% はユダヤ系の人たちなので、やっぱりイスラエル料理のお店がこんなとこにありましたが、で結構このソンチェのあたりって割とグルメ街に最近なってきておりましてですね、シャプデリキャ布丼屋さん街です。このあたりの雰囲気結構好きですね。ウィーじゃんショコラショビオオレダマンド、ホットチョコラ、ホットチョコレート、いいねいいね。いや、プランのレストをジョブテステのスカッツェルは、はい、もうユダヤですね。ユダヤというかイジッシュだね。C'est très garni avec des salades et tout. D'accord. Bio burger. Des burgers bio. ゲイフレンドリーな壁画が。目の前、あそこがモントルブイユ通りです。パリの、大好きな商店街の一つ。で、ここですね、はい、渡って向かいに、ルイジュニールというちっちゃな通りがあります。で、この辺りね、ナイルとか、アブキールとか、あと、パッサージュ系、カイロのパッサージュというですね、非常に古いパッサージュがあったりします。エジプトにちなんだお店が名前が多いんです。ここの道超おすすめです。ラボカフィー、コーヒー屋さん、とっても美味しいコーヒー屋さんがあったり、クレムリー、はーい、チーズ屋さん、すごいサソンル、サソンルフォーマージュ、おー、サソンジュスキッシュ、フレンチのファーストフードバージョン。まあ、tu sais, on connaît Frenchy Pigalle. French? Frenchy Pigalle. Ouais. On y est déjà allé. Eh ben, c'est leur maison, maison mère, enfin, le premier, premier resto ici. Ok. なんです。はい。はい、こんな。八百屋さんがいいの。すごい凝縮されてますね。柿屋さんがありのこだわりの、今ね若い人たちがこういうお肉屋さんとか、こういう嫌われてたような職業にですねつく、生産者にこだわったお肉とかしか売らないみたいなお店が増えてますね。ブンペット、本当でもお肉屋さんって感じのお兄ちゃんたち、あ、ここここセサフランチIci. Ouais, et là, tu vois, ils ont fait un resto, bar à vin et fast food. Donc, c'est la rue de Frenchy, quoi. Ah, すごい。ここはチョコレート屋さんです。外までチョコレートのいい匂いがする。ちょっと今日買ってこっかな。すんごいいい匂い。あ、美味しそう。Regarde。Je vais prendre un croissant pour goûter. こちらがパッサージュケールというね、エジプト風パッサージュなんですが、ナポレオンがエジプトに調査隊を派遣してね、一大エジプトブームが巻き起こって、でその後に作られたものなんです。で最近ね改装されたんですけれども、ここのホテルが非常に可愛くってちょっと気になってます。Ouais, c'est, ils ont refait la toiture en fait. Ouais, côté Italie, côté Italie. Bon, je vais par là, tu sais, il y a un magasin là. Ah oui, c'est devenu une boulangerie. Ah, shugeya-san datta no ni. Tashika. Si, attends, c'est pas quincaillerie, c'est pas quincaillerie. C'est la première fois que je t'emmène.
dans mon dressing. ここのバンブーというところもなかなか素敵なとこですね。スペシャルサンバロンタン。J'ai déjà eu un cadeau. T'as vu comme c'est magnifique? T'as vu comme c'est magnifique? C'est pas un peignoir, c'est un manteau. C'est une banquette réservée aux hommes. Oui, c'est ça. Ils ont pensé à tout en fait. Ils ont pensé à tout. Ouais. Ils ont réédité les chemises. これこの間買っちゃいました。かわいい。Il y a conciergerie. Conciergerie, c'est pour recevoir les commandes et aussi retourner des articles que tu gardes pas. Du coup, tu peux trouver des modèles sold out sur le site ici, parce que les gens retournent ici. Okay. Et c'est remis en vente. Pardon. Donc, だからあのサイトで見つからないものをここで、あ、あったっていうね、運命的な出会いがある。場合もあります。で、この同じ通りにセザンヌのメンズのオクトーブルがあります。セザンヌのメンズのオクトーブルです。絶対お父ちゃんすぐ汚すね。かわいい。Tu voudras pas des pantalons comme ça?OK. かわいい。C'est joli les couleurs. Est-ce que quelque chose t'attire? La maille est jolie.Ouais. Ah bon? Un peu ça, ouais. Celui-là. C'est joli. Aïe, 大好きなスポットの一つです。Pakistan. Tu vois, j'adore cet espace. Et ben en fait, t'as plusieurs espaces différents.Ouais. Tu? Ouais. Sinon.この辺りにあるブティックホテルの中でも割とこうおすすめの素敵なホテルがこちらです。Là, en fait, il y a un petit verrier comme ça. C'est très sympa, ouais. はい、というわけで今日はお父ちゃんとのバレンタインデートでした。ぜひぜひあのソンチエというね。とってもおしゃれで若者が大好きな私も好きですけど界隈なので歩いててとっても楽しいですからぜひぜひルーブルからも歩いてこれますぜひお散歩してみてくださいバイバイ。バイバイ。